Eh bien salut les amis, c'est Scomag, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le serveur de jeu Eras pour l'épisode numéro 5 de la série. On se retrouve sur Dopus 2.29. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plus mon cra. Pourquoi en fait? Parce que j'en avais un petit peu marre, alors du coup bon voilà. Donc ça fait que j'ai créé, enfin j'ai abonné deux comptes en plus pour faire un Eni, un Feka et un Sacriver, qui est une excellente team pour PVM. Donc on a du Rox, un petit peu du tank avec le Sacriver. On a tout ce qui est armure et Rox, et un petit peu tank aussi avec la vulnérabilité, tout ça avec le Feka. Et on a tout ce qui est soin, et pourquoi pas aussi du Rox avec Lenny. À savoir que Lenny est obligatoire. J'aurais pu remplacer le Feka par, béton, un Yop ou un truc dans le genre, ou un Eka aussi, est très fort en imprimatement, est tout le temps fort, tu vois. Mais est très 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 joué pour les teams PVM. Donc PVM c'est des joueurs contre, enfin des players versus monster. Et donc du coup ce sera très bien. Et donc ce qui est bien aussi, c'est vu que j'ai trois comptes, on pourra par contre j'ai pas mes trois comptes dans le donjon là, non. Alors ce qui est juste un petit peu chiant pour vous, c'est que voir simplement skipper en fait entre chaque page. Et qui risque un petit peu d'être relou. Bon sinon à part ça, alors, les sacrieurs, j'ai vu beaucoup de topics, entre guillemets, donc c'est des tutos pour m'aider. J'ai vu pas mal de trucs comme quoi que les sacrieurs, en team, il fallait plutôt les jouer agi ou un truc dans le genre. Et du coup, je ne sais absolument pas quel élément je vais le mettre. Mon Eka sera forcément... Ah oui, ce que j'ai pas pensé, c'est qu'en fait, on aura forcément des persos... Bon, ce qui est chiant aussi, c'est le son. En fait, du coup, je dois... Il n'y a qu'un seul compte où il y a le son. Enfin... Il n'y a qu'un seul compte, il y a la musique, parce que sinon on entend plusieurs musiques et c'est casse-couille, tu vois. Donc du coup, ça fait que c'est un petit peu problématique. Donc ça fait que j'ai désactivé la musique sur les autres comptes, pour avoir en fait les sons des... c'est-à-dire quand le personnage marche ou autre. Hop. On va faire une petite attirance. Donc du coup, ce qu'on pourra se faire, c'est le donjon en masse. Du coup, mon Feka, je pense que je le mettrai... Bon, après, il n'y a pas grand-chose comme Rox. Il y a Bull qui tape haut. Balls qui tape haut. Niveau 6, pas mal. 3 PA. Ah, niveau 5, ça prend 3 PA. Peut-être moyen qu'on le mette haut. Armure aqueuse, attaque nuageuse. Ah oui, attaque nuageuse aussi, c'est vrai. Ah, on verra. Mais pour PVM, ça reste quand même mieux feu, parce qu'il y a les glyphes. Glyph agressif et glyph machin là, donc ouais, on va le mettre feu. Le Nini, bah il sera malheureusement, enfin, malheureusement, parce qu'en fait il y en a deux, du coup, deux persos avec le même élément, c'est pas top, tu vois. Il y a mieux. Sinon, il y a mon machin là, qu'il faudra que je mette. Le problème c'est que, ouais, les solutions on est bien, mais c'est niveau 21 et ça prend pas mal de PA, donc ce qu'on va faire c'est déjà mettre le sacrieur, donc soit. Feu, soit terre, ou soit agi. On n'est pas trop concerné encore par là, parce que bon, il y aura juste les sorts de base à monter, donc de manière je les montrerai tous, enfin, tous, je montrerai autant que possible. Mais il y a tous les sorts de base, genre, pied sacrilleur, je suis forcément obligé de le monter, parce que d'un moment, il faut valoir roxer. Et voilà, tu vois, tu as compris. Donc là, on entend trois fois la boune. C'était. Dès que tu l'entends une seule fois, t'es chiant, c'est très chiant, tu vois. Et bon, on va pas se le cacher, on va pas faire les rigolos, hein. On va aller buter le machin là-bas, la grosse bite, le chef de guerre. On remet la mini... Non, la mini-carte! Faut vraiment que je trouve moyen de l'enlever, ce truc, parce que c'est chiant, alors, mais c'est casse-couille. Du coup, je m'excuse, hein, pour tout ce qui est passage de fenêtre. Bien sûr, il y a moyen. Il y a moyen de l'enlever. Affichage. Afficher la valeur des persos. Afficher, gna gna. Illustration au début de tour. Afficher les horaires des joueurs. Afficher l'astuce, gna gna. Non, audio. Afficher la grille. Afficher le transparent. Joueur transparent. Afficher coordonnées. Coordonnées, on peut le mettre. Bon, sombre. Afficher le survol, gna gna. Afficher les portées et les placements. Ça, oui. Mettre en valeur les caps ciblables. Oui. Afficher astuce au démarrage. Non. Afficher la barre de raccourci déplaçable. Alors si c'est dans l'inventaire, filtrer les mains. Ouais bref. Donc là il va falloir que je le coche aussi. Du coup. Hop.
On va juste cocher ça et ça. Tac. On va cocher la même chose. Combat, où es-tu? Ah, on fait d'accord. Non, mais... Ah, what? Attends. Celui-là, c'est bon. Ouais. C'est lui, alors. Ah, voilà. Ben voilà. On va descendre à buter le chef de guerre pour avoir la clé du donjon. Bon, après ça, maintenant, évidemment, on va mourir, je pense, dans d'atreuses souffrances. Mais donc, du coup... Alors, ce qui aurait été pas mal de le faire, si vous jouez en 4 comptes, vous pouvez garder donc la team, donc les 3 personnages là que j'ai, qui sont très appréciés et très joués donc pour le PVM, comme je l'ai dit. Vous pouvez rajouter un Enu pour le drop, ou si vous voulez du Rox en plus, vous pouvez ajouter également donc soit un Yop, soit un EK, qui est aussi très fort. Mais bon, le Ninir reste quand même bien. Bon, après le Sacrieur. Ça dépend d'autres façons de jouer. Moi, j'ai toujours joué avec des Sacrieurs dans mes teams. Et bon, bah, le challenge RT, c'était triste. Mais bon, après, voilà. Tu as compris. On va faire le glyphe agressif. Thérèse, pardon. Putain, en fait, j'ai mélangé le son là. En fait. Ouais, bref. Le glyphe agressif. Ouais, oui, en fait. Ouais, bref. Ce mec, ça part un petit peu trop loin, cette histoire. Cette histoire. Donc le sacrieur, faut que je monte full vie évidemment, comme tous les sacrieurs. Le nini, faut que je monte feu. Alors je sais pas si le feu monte augmente les soins. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, faut que je monte le feu. Peut-être que ça le précise. Ah si, c'est ça en fait. Monte les dégâts de feu, le type nien et les soins. Donc faut monter. Ouais, c'est ça en fait, j'avais bien raison. Ouais, je sais, j'ai raison. Bon après, marque un feka. J'allais dire, tu l'as envoyé au combat, tu sais quoi. Ça, il va rester dans le glyph. Ah, Marc, il fait que du 2 en dégâts. S'il lui fait que du 2, c'est pas top. Bon. Bon. Eh. Ah. Bon, c'est pas grave. Plus il prend cher et mieux c'est. Alors juste le son qui est atroce. Faudra que je relance mon jeu la prochaine fois, ou autre on verra. Mais c'est vrai que le son est pas très super. Pas très français non plus, mais c'est vrai que le son est pas top. Ah, quoi que ça va. Non ça va. C'est avec. Ah ça va, ça va. Tiens. Mais je sais pas, je crois bien que ça tape. Je sais pas si on a pour 29, ça tape en zone de 3. Critique. Attends, ça tape 3 zones ou pas? Non, ça tape qu'un seul personnage. Ça tape pas en zone de 3. Donc, en fait, c'est pas tellement. Pas. Sacrier Terre ou Air, ça revient un petit peu la même en fait. Mais juste, faut pas que je mette de Sacrier Feu, tu vois. Parce que j'ai deux personnages feu. Donc, c'est pas top. Il faudra un personnage. Généralement, dans une team, c'est bien un perso de chaque type. Après, je peux jouer un Sacrieur, genre multi, ça ou autre. Mais bon. Bah, ça a fait. Ça a fait. C'est quoi? Chaque joueur a le droit de faire la même action. Non. Bah, d'accord. Ah, mais oui, la même action. Oui, j'ai compris deux fois, tu sais. Ouais, bref. Non, j'ai coché, fait de la merde. On est là, on représente Anthony, tu as compris. Malheureusement, blablabla. Alors, j'ai eu la clef, c'est bon. La clef, la clé. Donc on peut le refaire avec les autres personnages. On va le faire. C'est quoi? Comme ça on a chacun la clé. Là, ouais, c'est bien ça, c'est bien un perso qui, de chaque personnage qui drop la clé. C'est pas genre... faut avoir fini la quête pour avoir la clé. Ouais, c'est ça. Voilà, du coup ce qui est bien avec un Enu, c'est que bref, vous dropez masse truc. Mais bon. Après, voilà, tu vois... ça, c'est pas forcément le plus fort. Encore, à la rigueur, il peut taper très fort, c'est bien stuff. Bon, après, un Enu, c'est bah, moi, personne. Enfin, tout le monde ne joue pas haut. Il y a beaucoup d'Enu qui sont joués terre. Enfin, pas beaucoup, mais terre ou feu, je crois. Bon, évidemment, le plus joué, c'est haut. Achevez tous les monstres sans leur occasionner de dégâts directs pendant toute la durée du combat. Les dégâts, les pièges, ouais, bah, nique ta masse. Nique ta messe, oui. Allez hop, nique.
C'est bon, hein, oh. On va pas non plus faire l'américain, hein. On va faire le... Ah mince. Je voulais faire l'armure, mais en fait, j'ai pas fait. Ah, tu as compris. Il tape le bon. Ça donne pas l'armure au mob? Non, c'est bon. C'est bon. C'est là on va voir si ça tape le Feka. Eh ben non. Donc ça tape bien un seul personnage. Ce qui est pas forcément un folichon. On va pas se le cacher. Bon, ça a été un petit peu répétitif durant cet épisode, je m'en excuse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu d'ailleurs, si ça vous plaît, hein. Parce qu'on n'a jamais besoin de 3 pouces bleus, hein. Aïe. Attaque naturelle. Je sais pas à partir de quel level on peut, entre guillemets, gérer le donjon. Je pense au moins un personnage niveau 10, ça me semble plutôt correct. Bon, après, ça va pas non plus. Bah, après, généralement, quand t'as une team, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des trucs, tu vois. Parce que tu peux faire des donjons que tu veux et tout. Si ta team est bien stuff, évidemment. Tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets. Tu fais tes donjons et tout. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, on va récupérer. On va récupérer la clé avec ce personnage. Mais de toute façon, on l'a automatiquement. On va refaire encore le combat. Team même. 1.29. Et alors, ma gueule? Quoi le problème? Il n'y avait pas les mêmes cases qui sont cochées pour le chat et tout. Bah, je vois pas le problème. Si tu payes, les personnages vont faire soi. Bon, écoute, c'est bon. Bah après, je sais pas, moi personnellement je l'aime bien jouer en team. Enfin, c'est plus facile d'évoluer en team, après tu fais bien ce que tu veux, quoi. Hop. Après c'est le mec qui part un petit peu trop loin, il fait une team de 7 persos, ça. Merde. Du coup je pourrais pas taper avec mon... Je ne pourrais pas taper avec mon sacrilleur. Ah si, attends, j'ai une petite idée. Évidemment. On va se mettre là. Oui, bon, là, d'accord. Tape lui. Je sais pas pourquoi il a le focus absolument sur mon sacri. Peut-être que c'est lui qui doit se dire, ah bah tiens, c'est lui ça, c'est lui qui rocks le plus. Bah, c'est vrai d'ailleurs. C'est lui qui rocks le plus, on va le taper. Hop. Moins 7. Touc. On va faire l'armure terrestre de toutes les passions. Merde. Ah, prochain tour, je suis mort. Donc. Merci. Merci. Ah, je gère jamais 203. Du coup, est-ce que j'augmente la sagesse? Non, je pense pas. Je pense qu'on va directement viser les... On va directement viser les rocks, je pense. Sans augmenter tout ce qui est sagesse et trucs. Voilà, quoi. Pardon. Bim! Moins 6. Ça met. Il est content de payer moins 6. Bon, c'est bon. On a buté les 3 bouffous. Donc là, c'est le sacrilleur. Donc, sacrilleur, on va directement venir augmenter donc tout ce qui est point de vie. Parce que normalement, voilà, un point de vie admis à un sacrilleur est tout le temps doublé, tout simplement. Alors après, on vite fait, niveau 6, 13, 19, et là, 13, 22. Bon, ouais, le pied sacrilleur, ça peut être mieux au final. Mais ce qui est bien, c'est que ça a une portée, enfin, genre, tu peux pas, c'est pas forcément corps à corps, l'assaut. Tu
Je peux taper de loin. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais pas augmenter les sorts maintenant. Enfin, en tout cas, pour le sacrilleur. Là, c'est qui, ça? Ça, c'est le protecteur. Ah, la protecteur. Force, augmente le poids maximum des objets. Bah, ça, je savais pas. Augmente la bande, les dégâts de type terre et neutre. Bon, voilà. Ok. Chance de protection, bon, ça, c'est ok. Ça vient de faire lui les personnages. Ouais, d'accord. Ce mec, ouais, d'accord. Donc, lui, bah, ça serait augmenter le type feu, je pense. Ça, il faut faire ça maintenant. Parce qu'on va attaquer. Ouais, on va augmenter feu, lui. On va augmenter attaque naturelle. Donc, lui, forcément, il a un sort en plus. Dérobade. Et le nini, on va augmenter aussi l'intel, évidemment, pour les soins. Après, rien ne m'oblige à changer de. À changer, tu sais, de trucs plus tard, mais bon. T'as compris. Donc, on va augmenter mot blessant, je pense, d'abord, en premier. Tour de relance, c'est combien? Non, tour de relance, 5. Et niveau 1, 5 aussi. Ça me prendra moins de PA à lancer. Bon, au pire. Je vais d'abord augmenter... D'abord se concentrer sous tête des trucs qui rox. Niveau 3. Et donc, voilà. On va se faire les petits pio juste avant. Toc, ne nous quitter. Toc. Après, c'est vrai que dissolution, c'est bien. Enfin, t'es niveau 21, c'est bien le... en haut. C'est pour ça que je pense mettre mon sacrilleur haut. C'est pour ça. C'est pour va. Parce que pour dissolution, c'est bien. Mais après, tu peux taper qu'une seule fois partout. Donc, ce qui est assez un petit peu emmerdant. Mais c'est pas mal. Du coup, si vous avez des conseils à me donner et à donner aux autres, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas. La vidéo... Dans la vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. Et aussi, dites-moi si vous avez apprécié l'épisode, en mettant un pouce rouge, un pouce bleu, un pouce vert, un pouce violet, comme tu veux. Moi, j'en mets les couilles, hein. Voilà, pas si facile. Non, tu mets pas un pouce rouge, c'est pas très gentil. Bon, après, si t'as pas aimé la vidéo, tu pourras mettre un. Tu peux même en mettre deux, si tu veux, mais bon... Même 3, hein, après, tout ce que tu veux. Est-ce que nous sommes là pour juger? Je ne pense pas. T'as compris. On va tuer celui-là. On tape du combien? Du 3, nickel! Alors, lui, c'est bien, c'est qu'en 2.0, là, je l'arrête de taper. Et ben là, je tape pas. Peut-être en montant de sœur. Non, je sais pas, je me dis, genre, peut-être en montant de sœur. T'as une révélation du pied sacrilleur. Non, je suis déçu. Non, mais je suis outré, c'est tout, hein, y a pas de souci. QA. Moins 2 parce qu'il a des résistances. Évidemment, on compte sur le roxeur de la team pour le buter. Et c'est un franc succès du joueur français qui achève son ennemi à coup de pied. Aïe. Est-ce que ça part sur one shot? Non. Eh ben non. Le joueur français extrêmement déçu ne one shotera pas un adversaire durant cet épisode, malheureusement, à sa plus grande. Allez, coup de poing. Oh là, bah ça c'est du drop, ça, tu vois. Ça change de ce que j'avais avant. Rien du tout, c'est-à-dire, hein. Donc on a un truc en fait. Berserk, il ou Berserk. Berserk, il a droppé un truc qui s'en fout, hein. On va pas se le cacher. Nous allons le déposer à terre et nous allons le ramasser. On va l'équiper d'abord sur le petit Eniripsa. Voilà. On est là. Qui a compris? Ah oui, après on peut équiper ça. Bon, ça c'est la vitalité, n'est-ce pas? On peut équiper une panne d'ampli vitalité sur le sacrilleur. Et oui, ma gueule. Bon, du coup, les amis, je vous laisse pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis partout bien. À la prochaine. Des bisous.